Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis Link Le Geese pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'aventure, la suite de notre intégrale sur Kingdom Hearts, puisque nous sommes sur l'épisode sorti sur DS, Kingdom Hearts, 358 jours sur 2, ou 358 jours et demi, je n'ai jamais vraiment su la prononciation exacte de ce nom, mais en tout cas, on y est. Pour un épisode qu'au final je n'ai jamais fait. Ouais, j'y ai jamais joué, alors je sais ce qui s'y passe grâce aux cinématiques HD qui étaient sorties sur PS3 puis PS4, mais aujourd'hui ce que je vais vous proposer, c'est, un mix des deux. Parce que, je me suis dit que quand on cherche sur YouTube, sur Kingdom Hearts, sur ce volet-là de la série, on ne trouve que l'effet... 90% des trucs qu'on trouve, c'est les cinématiques HD de PS3, PS4. Moi je me suis donné l'objectif et je me suis dit que ça pourrait être sympathique de faire le jeu de base, donc sur DS. Donc là je suis sur émulateur parce que mon capture board ne marche plus, donc je suis un peu dégoûté, donc voilà, moyen du bord. Et à chaque fois qu'on aura une cinématique en jeu, un dialogue ou quoi, je repasserai. J'alternerai avec les cinématiques de PS4. Voilà. Donc on va jouer, on va faire le jeu comme le jeu était à l'époque de la version DS. Et sauf que les cinématiques seront en HD. Voilà, HD PS4. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, pour le coup, vous vous doutez que voilà, ça va demander un petit peu plus de tournage, un petit peu plus en tout cas de montage et de travail que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur Kingdom Hearts. Mais je me dis que c'est l'occasion d'essayer de proposer un truc un petit peu différent. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi en tout cas j'ai hâte de commencer ça. Et on va y aller. Alors bien évidemment, avant qu'on commence, dernière chose à préciser, c'est que vous vous doutez bien que je vais peut-être tourner, on va dire, partant dans l'idée, je tourne un épisode de 20 minutes sur Kingdom Hearts, sur ce Kingdom Hearts. Eh bien, si je rajoute les cinématiques par-dessus, etc., l'épisode va faire beaucoup plus de 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner des épisodes très 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 longs. En fait, tant que j'ai envie d'y jouer, je vais continuer. Et ensuite, au montage, je redécouperai ça en incorporant les cinématiques, etc. Donc, il se peut que voilà, vous ayez des épisodes où je dis pas forcément bonjour dès le début ou au revoir à la fin, etc. Donc voilà, si vous n'avez pas votre bonjour, je m'en excuse. Je vais essayer de faire au mieux, mais en tout cas voilà. Enfin bref, du coup, on se lance et je vous laisse et on se retrouve juste après la scène cinématique d'intro. Tout d'abord, donc nouvelle partie. En mode normal, parce que bref. Et on est parti, je vous laisse avec la scène d'intro comme je le disais. Pitiful heartless, mindlessly collecting hearts. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist.
Et nous y voilà pour le démarrage de cette aventure. J'ai hâte. Donc pour le coup, jour 255, le soleil rougit, j'ai pas vu la fin. You're early. No, you're just late. Today makes 255. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right. That first week, you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Roxas. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I ask, know-it-all. Seriously, where is she? Comme on le dit si bien, tout a un commencement. Moi, mon plus lointain souvenir remonte à mes sept jours, date où je l'ai rencontré. Et donc c'est ici qu'on va commencer l'aventure avec donc Roxas, qui a été nommé ainsi et bien, il y a quelques minutes. Jour 7, numéro 14. Alors oui, on est très très loin des graphismes HD qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, mais le jeu est sorti sur DS et il n'a pas été réadapté. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'il ne l'ait pas été, puisque c'est un DS, enfin, c'est le seul cache avec où il y avait un mode multijoueur qui permettait de jouer avec avec les différents membres de l'organisation 13 que nous avons commencé à rencontrer dans Chain of Memories. Là, contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant où on jouait toujours les héros, tout ça, ben là on est directement dans l'organisation. Et on va donc jouer Roxas, du moins pour l'instant. Je sais pas si on va jouer d'autres personnages, j'en doute, mais bon, voilà, généralement dans les cas, ils aiment pas trop nous faire changer de perso. Mais en tout cas, voilà, bah tiens. Salut Darksen, t'es réveillé ? Quoi ? D'accord, sympathique. Comme à son habitude, Sykes. Sykes, la réunion d'aujourd'hui est d'une grande importance. Je ne tolérerai aucun retard. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait accès... par contre, est-ce qu'on peut bouger la caméra? J'ai pas l'impression... J'ai caméra. Je... Non, ça non. Ah. Bon, il y a des tout petits ralentissements, c'est quand j'essaie de bouger la caméra, mais bon, au pire, c'est pas bien grave. On la bougera pas trop. Xigbar. Mais Roxas, bienvenue au club, comme on dit. Ok. Et Axel. Salut Roxas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah, c'est vrai. On est convoqué dans la salle du conseil aujourd'hui. Ah, ce que je déteste les réunions. Mais t'es pas le seul, mon pote. La salle du conseil? Ouais, apparemment le boss a un truc important à nous annoncer. T'es prêt? Bah carrément!
Bien, allons-y. Good tidings, friends. Today is a momentous day. I am pleased to announce that a new comrade has been chosen to wear the coat. Number 14. Let us all welcome one of the Keyblades chosen. Après 7 jours passés à m'habituer à un numéro et à un nom, j'avais du mal à retenir quoi que ce soit d'autre. Je n'aurais su dire qui étaient les hommes en noir, ni ce qu'ils voulaient de moi. Jour 8. La récompense. Moxas, à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler pour nous. L'organisation va te confier des missions par mon biais. Tu débuteras par des exercices. Tu as beaucoup à apprendre avant d'aller sur le terrain en conditions réelles. Axel va t'accompagner pour la première fois, n'est-ce pas Axel? Oh boy. C'est moi qui suis censé l'entraîner? Exactement. Tu vas partager ton savoir avec Roxas. Prévenez-moi quand vous serez prêt. T'as entendu ce qu'il a dit? Maintenant, je suis ta babysitter. Je rigole, arrête de faire cette tête de zombie. Allez, quoi. Bon, le tuto, comment sauvegarder? Très bien. D'ailleurs, à tout moment, on pourra, s'il se passe un truc intéressant sur l'écran du bas, hein, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais on pourra, hop là, interchanger, si jamais il y a besoin. Niveau menu, ok, bon, ça c'est pour zoomer, on s'en fout. Ça, c'est le menu tout simple, les fichiers. Journal de Roxas, c'est consulter le profil des ennemis. Dans le journal, on a quoi? Ah d'accord, c'est, ouais, ok, c'est le lore, ok. Didacticiel, on s'en tape, config, on va rapidement voir. Ok, un truc que je n'ai pas. Caméra auto, vitesse de caméra rapide. Ok. Ok, on s'en tape. Ok, on s'en tape, ok. Bah, très bien. Compétences, chaîne royale, anti-lumière 10%, d'accord. Alterner statistique. Empêche les ennemis de brouiller votre radar facilement, d'accord. Écran de titre et sauvegardé, ok. Bon, pour par contre, vite fait, attendez. On est quoi? Level 1, 62 PV, 0 compétences, 0 lien, 24 de force, 34 de magie, critique à 5%, bonus de crit à 8, défense à 7, et le reste pour l'instant, on s'en tape, ok, très bien. Allez, let's go, assez blablaté, on y va. Numéro 14, qui est tout aussi loquace que moi. Es-tu prêt? Yes! On y va. Teach him well, Axel. Don't worry. I'll be sure he makes the grade. Roxas, let's go. What's wrong? You worried about the new kid? What was that name again? Number 14. Shion. Right. I knew that. Shion. Got it memorized, Roxas? Yeah. Yeah? How about my name, then? Axel. And how about our boss's name, huh? Xemnas. No way you're gonna forget his name, right? Let's go. Ah. Et
Et on commence par une petite ville qu'on connaît, qu'on a déjà vue. Twilight Town, la cité du crépuscule. Qu'on a découvert dans Chain of Memories, et qui va prendre tout son sens dans ce Kingdom Hearts, ainsi que Kingdom Hearts 2, mais on en reparlera plus tard. Bien plus tard. Bon, commençons par parler des missions. Les missions sont Allez, assez parlé comme ça, mettons-nous au travail, d'accord? Suis-moi. Alors, le tuto... Hop là, blablabla... On nous dit qu'on peut sauter... Non, ça c'était pour attaquer. On peut sauter comme ça. Et si jamais, on peut s'accrocher... Comme on a toujours pu le faire dans les Kingdom Hearts, de toute façon. C'est bien, beau travail. T'as appris à sauter. Oh, merci. Mais ne va pas croire qu'il suffit de courir et de sauter pendant les missions, ok? Il faut être à l'affût. C'est quoi ça? Ça se mange? Il faut regarder autour de soi, parfois ce qu'on cherche est juste sous notre nez. Tu t'en souviendras? Ouais, je crois. Allez, c'est l'heure de la mise en pratique. Il y a un coffre à trésor quelque part dans cette zone. Je veux que tu le trouves. C'est tout? C'est ça la mission? Je sais, c'est quasiment infaisable. Mais enfin, n'oublie pas de regarder autour de toi. Axel qui troll dès le début. Donc, avec... c'est avec passer en vue libre et contrôler la caméra avec le... Ok. Oula, oula. Oui, bon, forcément, hein, voilà. L'écran tactile pour bouger la caméra. Alors, attendez. Alors, du coup, moi, l'écran tactile, ça va être à la souris. Ah, d'accord. Ouais, bon, ça va être chiant. Par contre, on peut faire, donc, comme ça, si je comprends bien. Ouais, voilà. Je peux regarder autour de moi, comme ça, si besoin est. Ok, très bien. Bah du coup, cherchage de coffre. Alors du coup, ouais, je vais être obligé de faire des petits à-coups comme ça pour vous avez actionné l'interrupteur. Ah d'accord, ça a ouvert ici. Pour la caméra, quand je vais vouloir tourner ou quoi que ce soit, ça va être obligatoire, malheureusement. C'est-à-dire que bon, bah voilà, si je sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux tourner la caméra, ça m'épose, mais du coup, bon bref. Axel, qu'est-ce que c'est? Une barrière, ça veut dire que tu n'es pas censé aller par là. Le but d'une barrière, quoi. Y'a rien de ce côté-ci? On peut dire ça, oui. Les barrières nous empêchent de nous égarer, tu vois. Et elles nous évitent les ennuis. Si tu vois un grand X menaçant, prends un autre chemin. Alors, les zones bloquées, bon, c'est des barrières. L'organisation s'en sert pour isoler les zones sans rapport avec la mission. Bon, si on continue à découvrir des trucs, c'est que... Ah bah, le coffre est là. Du coup, parce que oui, hein, j'ai jamais joué à ce jeu, comme je dis, j'ai jamais fait le jeu. J'ai vu les cinématiques, donc, comme je disais, sur le remake PS4, enfin PS3, PS4. Mais là, pour le coup, le jeu, c'est la première fois que j'y joue. C'est ça, le coffre? Non, c'est un terrain de tennis, ça. Mais oui, bien joué. Qu'est-ce que t'attends? La mission était de trouver le coffre. Elle est pas finie? Roxas, les coffres contiennent des objets, tu sais. Je dois l'ouvrir, alors. Ouais, c'est ce qu'on fait, en général. Alors, appuyez sur A près d'un coffre. Les coffres contiennent différents objets utiles, alors ouvrez-en le plus possible. Sac à dos. Les objets que vous récupérez sont rangés dans votre sac. Appuyez sur X jusqu'à ce que la commande d'objet soit sélectionnée. Appuyez sur A... Blablabla, les objets peuvent être jetés ou utilisés. Tout objet jeté s'affiche à l'écran que vous. Et vous pouvez donc le reprendre, d'accord. Ouvrez le coffre! Ouais, j'ai accompli la mission! Je suis trop balèze. Bravo! Tu peux garder ce que t'as trouvé. C'est l'heure de. Hein? Tu peux garder ce que t'as trouvé. Allez, c'est l'heure de RAC. 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 RAC.
Ah, de rentrer à la citadelle. Passe devant et retrouve le couloir obscur qui nous a amenés ici. D'accord, donc, ok. Fin de la mission. D'ailleurs, hein, je sais pas si vous l'avez vu. Après chaque mission, vous devez retourner au couloir obscur et RAC, donc rentrer à la citadelle. L'emplacement du couloir obscur s'affiche sur l'écran tactile. D'accord, c'est le truc bleu-noir, d'accord. Donc ouais, je sais pas si vous l'avez vu, bah c'est sur l'écran, attends, on va switcher. Voilà, sur l'écran donc, avec la carte, en bas vous avez découvrir les missions, donc il y en avait une et on l'a remplie, et mission du coup accomplie qui s'est remplie, et bah du coup, bon, on est bon, on peut repartir. Du coup c'était par là. Ah ouais, je fais en sorte de pas trop tourner la caméra, même si là du coup je sais à peu près où est la route. Par contre, il y a quand même un autre endroit qui était par là, ouais. Oh, ah, démunise ! Il y a démunise. On les prend. Surtout, on les prend. Par contre, ouais, il n'y a pas un bouton pour loquer, ça dit, attendez. Non. Non. Non, ça c'est pour... Ouais, non. Bon, on verra bien. Probablement que le jeu nous l'indiquera quand il y aura besoin. Là, c'est fermé. Bon, ben, retour par là-bas, du coup. Là, c'est fermé aussi. Hop, là, la porte était là. Hop là, et sans tourner la caméra. Et là. Rentrer à la citadelle, oui. Bravo, alors qu'en penses-tu? T'as compris en quoi consiste l'émission? Ouais. Je ne t'entends pas. Oui, j'ai compris. Est-ce qu'on pourra faire plus dur la prochaine fois? Le petit zombie se réveille enfin! Allez, t'as bien mérité une petite récompense, viens. Ah, du coup on rentre pas? Mais... on n'est pas censé rentrer? Viens, je te dis. Tu te souviens de notre endroit rien qu'à nous, pas vrai? The icing on the cake. You remember what this ice cream is called? It's, sea salt ice cream. I already told you before. Get it memorized. It's salty, but sweet. Roxas, you said the same exact thing the other day. I did? I don't remember. So what has it been? A week since you joined the organization? I guess it has. You guess it has? Come on, you must remember that much. Well, here you are, finally out in the field working for the organization, right? For the organization. You might even say that today is where it all really begins for you. Where it all begins. Résultat, consultez vos... Okay. Des éclats ardents, matériaux ordinaires utilisés pour la synthèse de panneaux imprégnés d'un... des panneaux, what the fuck. On a eu des potions, on est content. Point de cœur, munis, ok. XP, bon, 0 XP, en même temps on a rien tué. Résultat, ok. C'était mon premier jour au service de l'organisation. Ils m'ont ensuite confié des missions que j'ai accomplies. Mais si on m'avait demandé en quoi ça consistait, je n'aurais pas su quoi répondre.